très très important pour découvrir des scènes, tout simplement de se lever et de jouer, d'être debout et de jouer en improvisant, en découvrant la scène d'une manière dynamique, en la faisant. Là, vous êtes devant, hein, je suis le roi Lear avec Cordelia. Une obligation doit être véritablement de jouer un niveau le plus simple, père avec fille. Père avec fille, c'est quelque chose qui demande cette relation. Pour que soit vraiment juste, oh, les premières répétitions, il ne faut pas se lancer et essayer de jouer. On voit très souvent des acteurs qui se manifestent de cette manière émotionnellement beaucoup trop tôt. Donc, nous devons commencer à répéter, même avec un texte qui est là pour être prononcé avec force, dans la plus grande intimité, pour qu'on puisse être suffisamment libre pour sentir. Puis, on improvise avec d'autres mots, d'autres mouvements, pour trouver cette relation. Mais ça, c'est une étape provisoire pour arriver finalement à une chose très, très difficile, qui est que cette relation avec le contenu doit être là, même si je parle fort. Déjà très difficile. Comment permettre cette expression intime à devenir une expression avec toute l'énergie que ça demande pour remplir un grand espace, sans trahir, sans trahison. Comment monter, monter, sans que quelque part ça se dénature. Incroyablement difficile pour l'acteur. Fleuve. 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 Tu prends englouti et tu le développes de la même manière. Englouti. Englouti. Fleuve englouti mort. Et alors pousse ça vers un développement plus économique. Fleuve englouti mort. 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 Fleuve englouti. More exaggerated more. Make it a very long as you begin to do. Fleuve englouti mort. Je voulais prendre un morceau très très difficile de La Tempête. Qui a le courage de venir et lire à haute voix ce texte? Vous avez l'air, mon fils, d'être d'humeur troublée, comme par le chagrin. Allons, un peu de joie. Nos fêtes maintenant sont finies. Nos acteurs, comme je vous l'ai dit, n'étaient que des esprits qui se sont dispersés dans l'air léger. Et de cette vision, le support sans racines, les tours couronnées de nuages, les palais somptueux, les temples solennels et le vaste globe lui-même, et tout, oui, tout ce qui peut hériter de lui, va se dissoudre un jour. Et là, on a un texte incroyablement dense et compliqué. La première obligation est que l'acteur qui joue ce passage donne l'impression que cette manière d'écrire soit naturelle. Un acteur moderne est complètement perdu, il est démuni, parce qu'il dit, si tout ce que dit le personnage est véritablement
l'expression « ce personnage », ça veut dire que c'est réaliste. Et on voit que c'est impossible. Mais dites, allons un peu de joie à elle. Allons un peu de joie. Allons un peu de joie. Oui. Si on prend que cette phrase, allons un peu de joie, on voit que c'est un être humain qui dit à une autre personne, qu'est-ce que tu as toi? Si l'acteur, par automatisme, reste dans une voix solennelle, une voix shakespearienne, il dit allons un peu de joie, il ridiculise le texte. Dites la dernière phrase qui vient. Monsieur, je suis inquiet. Oui. Alors là, monsieur, je suis inquiet, ne peut pas devenir monsieur, je suis inquiet. Et c'est souvent comme ça parce que l'acteur, juste avant, il a dit, notre petite vie est entourée par un sommeil. Quelle merveilleuse phrase, il enchaîne par un sommeil, monsieur, je suis inquiet. Encore, il ridiculise le texte. Que personne n'échappe aux saccades de ton épée. Pas de pitié pour la barbe blanche du beau vieillard. C'est un rapace. Sus à la madame fantoche. Seule son étoffe est honnête. Elle, c'est une maquerelle. Et j'essaie de voir le changement de sonorité et de son. On est passé de B et de C à des F et des choses plus muettes pour parler d'une femme. Mais en même temps, ça ne, sans perdre la force et le puissant mépris haineux qui l'anime. Fantoche étoffe, par exemple. Que personne n'échappe aux saccades de ton épée. Pas de pitié pour la barbe blanche du beau vieillard. C'est un rapace. Prenons cette phrase en ne faisant sentir que tous les P qu'il y a dedans. N'échappe ton épée, pas de pitié jusqu'au P de rapace. Ils sont tous importants et ils rythment en quelque sorte la voix. Que personne n'échappe aux saccades de ton épée. Pas de pitié pour la barbe blanche du beau vieillard. C'est un rapace. Les vraies questions se posent le moment où on regarde ce qui est là. Alors, pour regarder ce qui est là, on peut être guidé par plusieurs choses à la fois. On peut être guidé par les idées, mais aussi on peut être guidé par la musique même du passage. Et si vous le lisez en respectant la forme elle-même va vous suggérer des choses. Alors, par exemple, vous prenez la première phrase. Vous avez l'air, mon fils, d'être d'humeur troublée. Oui, alors troublé est là, en fin de phrase, pour permettre la petite suspension qui permet, comme par le chagrin, d'être comme un geste tendre. Exactement comme si, dans un opéra, vous ferez ça avec une certaine chute de phrase. La musique même de la phrase explique pourquoi c'est écrit de cette manière, et la raison est pour des raisons strictement réalistes. C'est pas pour faire de la musique, c'est pas pour faire beau, c'est pour que la relation humaine soit portée par les mots. Résignez-vous, belle jeune fille, c'est la loi, ce n'est pas moi qui condamne votre frère. Serait-il mon parent, mon frère ou mon fils? Ce serait la même chose. Il doit mourir demain. Demain? Déjà? Oh, épargnez-le, il n'est pas préparé à mourir. Bon, mon bon Seigneur, pensez-y. Qui est mort pour cette faute? Et pourtant, combien l'ont commise? Oui, c'est bien. La loi dormait. Elle n'était pas morte. Il n'aurait pas osé commettre ce crime si le premier coupable avait répondu de son acte.
Elle est réveillée maintenant, la loi. Elle note ce qui se fait comme une voyante dans une boule de cristal. Elle regarde les crimes à venir, tout frais conçus, ou bien par négligence, prêts à l'être, bien couvés sur le point d'éclore. Crimes qui maintenant doivent rester sans descendance et mourir avant de vivre. Un peu de pitié pourtant. J'ai beaucoup de pitié. Ma pitié, c'est ma justice. J'ai pitié des criminels que je ne connais pas, tourmentés par une faute impunie. Et je traite logiquement le sale coupable. Il paie. Et une vie plus pour frapper encore. Soyez satisfaite. Votre frère meurt demain. Résignez-vous. Vous le premier à rendre cette sentence. Lui le premier à la subir. Quelle merveille d'avoir la force d'un géant. Mais s'en servir comme un géant, quelle tyrannie. Oui, c'est bien, bien parlé. Que les hommes puissants soient capables de faire éclater le tonnerre comme Jupiter. Jupiter ne serait plus jamais tranquille. Le moindre petit officier pète-feu envahirait son ciel pour lancer le tonnerre. Et rien que le tonnerre. Il y a un malentendu qui, je crois, bloque énormément le travail au théâtre, qui est de penser que ce qu'un auteur écrit sur papier ou ce qu'un compositeur d'opéra écrit dans une partition, dans les deux cas, il s'agit d'une forme. Si on croit ça, on est complètement perdu. Là, on entre dans l'horrible malentendu sur Shakespeare et on dit, mais il faut faire la pièce telle que Shakespeare l'a écrite. C'est une connerie absolue. Parce que personne ne sait quelle est la forme scénique qu'il avait en tête. Tout ce qu'on sait, qu'il a écrit une chaîne de mots qui possède la possibilité de donner naissance à des formes sans cesse renouvelées. Il n'y a pas de limite aux formes virtuelles qui sont là dans un grand texte. Comment t'es-tu échappé? Comment es-tu arrivé ici? Jure sur cette bouteille et dis-moi comment tu es arrivé ici. Moi, je me suis sauvé sur un baril de manzanilla que les matelots jetèrent par-dessus bord. Oui, sur cette bouteille que j'ai fabriquée avec les cornes d'un arbre de mes propres mains, après que la mer m'eût jeté au rivage. Je jurerai sur cette bouteille, dès ton fidèle sujet, car cette liqueur n'est pas la terre. Jure, et dis-moi comment tu t'en sortis. J'ai nagé, mon ami, comme un canard. Je sais nager comme un canard, je te jure. Tiens, baisse de salive. Tu nages comme un canard. Mais tu es fait comme une oie. Non, 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 non. Tu t'en restes? On me demande quelle est la relation entre la tempête que j'ai montée il y a 30 ans à Stratford et la tempête qu'on a montée cette année au Bouffetounant. C'est une question absolument idiote, mais idiote, parce que quelle pouvait être la relation entre une pièce montée dans une autre époque, dans un autre pays, avec des acteurs entièrement la même culture et aujourd'hui à Paris, avec une troupe internationale, avec une grande présence africaine, comment est-ce concevable que la forme ait la moindre ressemblance? Parce que la forme n'est pas quelque chose inventé, heureusement, par le metteur en scène, c'est une forme qui est le sfota de cette conjoncture. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout confondre la forme virtuelle avec la forme réalisée. La forme réalisée, c'est ce qu'on appelle un spectacle. Ah, mon esprit, as-tu bien accompli les ordres des tempêtes? Méticuleusement. J'en ai une qui la met à fond, madame. J'ai donc abordé le bateau du roi. Et sur le foc, le pont, la poupée, dans chaque cabine, j'ai jeté la flamme de la stupeur. Par moments, je me divisais.
Je flambais partout à la fois, sur les grands mâts, les vergues, le beaupré. Je brûlais en flammes distinctes qui, tout à coup, n'en faisaient qu'une. Quelle? Les éclairs que Jupiter lance, juste avant les coups terrifiants du tonnerre, ne sont pas plus brefs, plus vifs à saisir. Le feu, les craquements, le soufre qui hurle, le tout-puissant Neptune en paraît assiégé. Elles en tremblent, ces vagues si fières, et même son trident terrible en un secoué. Ah, mon esprit splendide! L'art de l'écrivain et le grand art du grand écrivain est de trouver, par des moyens très subtils, une manière plus ramassée de dire ce que normalement on dit avec beaucoup de mots. Et alors, quel est le mouvement de compression? Le mouvement de compression est d'enlever ce qui n'est pas strictement nécessaire, tout en gardant l'impression du naturel. De cette manière, on voit que dans les styles apparemment très limpides, soit Beckett, qui fait tout avec des phrases d'un mot, deux mots, trois mots, Pinter, qui fait la même chose, ou Tchekhov, où l'art est encore plus caché, qui donne l'impression d'avoir un magnétophone et prendre les phrases de la vie. Mais si on regarde bien, ce n'est pas vrai du tout, du tout. Il n'y a pas une phrase de Tchekhov qui n'a pas été trafiquée, ciselée, modifiée, mais avec un tel art qu'il donne cette impression à l'acteur de parler vraiment comme dans la vie. Il donne l'impression que la scène est vraiment deux personnes qui entrent, qui parlent, qui sortent. Si on les prend de cette manière et on le joue comme tout simplement, ah oui, c'est ça, je le dis comme je le dirais dans la vie, on ne peut pas jouer Tchekhov. Bizarre, je ne le trouve plus. Tu cherchais où? Je l'ai emballé moi-même et je ne sais plus où. Où irez-vous maintenant, Barbara Mihailovna? Moi? C'est les Ragoulines. J'ai accepté de m'occuper de leur maison. Comme une sorte de gouvernante. À Yachnevo? C'est bien à 70 kilomètres d'ici. Dans cette maison est fini maintenant. Le but de tout cela était, j'espère, de créer un espace vide. D'espace vide où beaucoup d'obstacles sont nettoyés. On a fait du travail de jardinier, enlevé les mauvaises herbes, et puis l'acteur peut, sur des semaines et des semaines, commencer à trouver les liens souterrains entre ça et le début de la pièce, le milieu de la pièce, la fin de la pièce, jusqu'au moment où, subitement, un beau jour, avec un public, il trouve vraiment pourquoi il dit ça. Les Kalidja, les Poda, les Mala, les Kundala, les Kasekola, les Kurutani Chedi, les Puritanisti, les Begala, les Maïka Prista, les Pusha Pundicha, les Kuruka, les Neska, Nalakanaka, Paka, Pokaraka, Linda, Kanaka, Kamika, les Pusha Pundicha, les Savannah, les
Chinois, les Parabalada, les Tachamileka, les Tamara, tous ont un seul désir, la terre. Et ils se précipitent là sur nous.